RTCI nous réunit. C'est dans une ambiance de piété et de ferveur solennelle que les deux peuples tunisiens et algériens ont commémoré aujourd'hui le 59e anniversaire des événements glorieux du 8 février 1958 sous la présidence de hauts responsables des deux pays, notamment du côté tunisien le ministre de l'Intérieur Hedi Majdoub et de la Défense nationale Farhat Hosseini et du côté algérien également le ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui et le ministre des Moujahidin Taïb Zitouni. Après le recueillement à la mémoire des vaillants martyrs tombés au champ d'honneur, les responsables Algériens et Tunisiens ont réaffirmé à cette occasion la profondeur des liens historiques entre les deux peuples frères et rappelé l'ampleur de la solidarité qui a marqué l'époque de lutte du peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de son indépendance. Les responsables des deux pays ont mis l'accent sur l'importance qu'il y a de promouvoir davantage les rapports économiques entre les deux pays et surtout d'œuvrer activement à combattre le phénomène du terrorisme et de la contrebande, mais aussi l'intégration sociale des zones frontalières en ce qu'elles représentent un jalon inévitable pour la sécurité et la stabilité aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. RTCI nous réunit.